membres du bureau, estimés collègues. Et le quoi, les a félicité quand même bureau, on a besoin pour voir qui va changer cher au potolé là qui mine. Merci président parce que Yoga Gabis. Yami Balé, honorable président, je fais remarquer que Keba Tolongwana reddition des comptes, na budget rectificatif et tout comme on a débat sur le budget. Alors que débat sur le budget, ils ont eu la calamité. La reddition des comptes, tozo ça les a colobanine. Topé sa qui mission ni na gouvernement, bango ba salini. De moussala, bisotoye ko sala lilo yango wana honorable président. De place nga na zo koma, komo na kena ko umelate, et puis so gina siso komo na ba collègue msou babo ikolo. Parce que na kolobe la bango. Honorable président, place na vanda ki na zaji komi tout na ke, est-ce que tozo le ki satante? Ponani, na chambre oyo to yambi ba membre a gouvernement ba lobi tala ndenge to lingi to zwa misolo tala ndenge to lingi to salela yango biso to lobi te soki bozwi boye bo salela boye c'est ça le budget otope sa ki bango et puis bazwi ba engagement ba lobi ah biso to zwi ba mesure to ko salani to ko créer misala to ko bongisa makambu ya bana classe to ko salela bino wa hôpital. Tokotala makambo ya transport, engagement na bango awa yango wana. Awa tuzo solo la nini? Il faut tout nande bango ti. Misala soki bo engager batu boni boche bango wat. Boko yana loi boche li biso ke tozwa ki inspecteur ya travail wana bazo yenga yenga komona bache bango ke tozwa bango na musala. Ba magistrat bazo lela nanu bazi musala te bache bango kuna. Bakozwa bana nguba mtu azo débrouiller ke to créer misala. Boloba ki na biso ke boko créer misala combien bo créer ti boche bango wapi bakongolango baza banani. C'est la première question. La deuxième question, honorable président, na limyo tune langa bango parce que naza autorisé te ya kotuna bango. Et ça makambu ya éducation 10% 19% tokozwa to tchekuna. Honorable président, à chaque rentrée scolaire, il faut au gouvernement banda ko bonde la banseña bondi mape bozonga e bondi ma toke mpasa to. Honorable président, ba salinini dans le cadre de l'éducation na mbongo nyoso tu wana. Batongi wapi, ce n'est pas confondre na programme à 145 territoires. Batongi wapi, bafuti banani, parce que bao bazo tangi sabana na biso bazo lela lela kaka. Honorable président, nazo kende na makambo ya hôpital. Esa sonité, il y a même un membre du gouvernement qui venait d'aller en soins médicaux na Maroc, na hôpital moko centre privé babenyango. FPIC, si je ne m'abuse pas, membre à gouvernement, à quelque chose soit au Maroc. Mais biso awa, honorable président, bakoti ko yebisa biso l'hôpital ya l'État o wapi biso ba député o bokoti nda biso to ko zo soin, y compris bangomo. La santé entre les mains de l'étranger, les banques entre les mains de l'étranger, nous sommes entre. Tu vois, bato sala ni nambo wa l'État. Engagement non ce zomaki honorable président, moi j'estime à mon humble avis que na cadre et à reddition des comptes au komona ke anyanya wanyanya soit c'est calumo. Et là comment côté au ezali réalisé concrètement ya kotali sabatuke makamango to lakaki bino yango parce que moi j'attendais baba ndako sale le biso énumération to lakaki bino lelo to kende na monde aviation. Dans un avion, nous sommes papay. Et lors de la reddition des comptes, chers collègues, ne place tout ça la autorité na biso yango te. Et ça place à kosekate, il faut tomi tuna. To pesa ki bango ndingisa ya kosala misala. Misala ango o basali za misala nini. Mais jusque là, je ne vois aucun secteur. O bazo brandir biso ke voilà dans ce secteur nous avons excellé to salibo. Nous devons éviter les improvisations. Je termine par là, honorable président. Merci beaucoup. Improvisation ils ont comme ponanine. D'abord, biso to za autorité budgétaire. Collègue, to zalia to vota budget a. Mbongo na biso ndenge to vota ke ba futa biso ndebo bazo futa biso. Différence ils ont que ne wat.
honorable député, chers collègues, balobia que ton côté sambongo na boy na boy. Au commun na katikati ya année ya exercice ou exonération. To lingai to sala lokola na Madagascar. So ti bo lingi ko exonéré na vote ya budget boye libiso. Ce n'est pas na katikati ya musala al exonération ko. Si ko mbongo wana to comptabiliser ke kokota ndenge nini. Je pense, honorable président, je m'arrête là. Non, mais vrai. Je suis quand même curieux de constater que nous ne comprenons pas ça. Bande konangai, il faut boire parce que tu as dit qu'à Kalikila, tu as 500 députés. Nambongo wana to vota. Combien baso katabiso o to mona kate. Pour mon ami, merci. Merci. L'honorable Eliezer, même si les ministres comprennent les Lingala, il a parlé pour l'ensemble des Congolais. Il a dit que ne venons pas ici confondre la loi des finances que nous allons examiner le 28 et la reddition des comptes où nous demandons réellement des comptes aux membres du gouvernement. Nous avons voté un budget, c'est une loi. C'est-à-dire, vous avez pris l'engagement de faire un certain nombre de choses. C'est le moment de demander qu'est-ce que vous avez fait dans le secteur de l'éducation, de la santé, des travaux publics, etc., etc. Il a fait remarquer que rien, en réalité, n'a été réalisé. Et il dit qu'aucun secteur de la vie nationale n'a connu un quelconque progrès, pour ne pas dire un début d'exécution visible en termes d'exécution. Et il demande aux membres du gouvernement, il demande au gouvernement d'éviter des improvisations. Puisque le budget, en effet, c'est une loi. Changer l'affectation initiale d'une dépense pour donner à une autre rubrique, c'est un détournement, c'est une faute de gestion. Et donc les députés veulent savoir qu'est-ce que vous avez fait de peu d'argent que vous étiez censé récolter pour les promesses et les engagements que vous avez pris devant la nation à travers cette chambre. Les députés veulent savoir aussi, ils ont été, et je peux les confirmer quand je lis maintenant les documents, le projet, que ce soit la loi des finances ou le budget passé, en réalité, c'est l'Assemblée nationale en tête, deux fois plus que, je crois quatre fois plus que le Sénat, qui a fait ce qu'on a appelé la diminution des trains de vie. Et le moment venu, je vais vous donner des calculs. Nous avons ici à l'Assemblée nationale subi une réduction de notre train de vie équivalent à plus ou moins la moitié de notre émolument. Mais ailleurs, au Sénat, c'est presque l'écart, au gouvernement, c'est rien du tout, et dans les autres institutions, c'est rien du tout. Et c'est ça que l'honorable Eliezer est en train de demander, l'argent qu'on a ponctionné chez nous. L'objectif du président de la République, son intention, c'était de diminuer le train de vie de ceux qui sont bien payés pour améliorer les gagnes petits. Est-ce que cet argent est allé aux gagnes petits? Non. Parce qu'aujourd'hui, n'eût été le fait que j'ai reçu Mme Raïssa, ministre d'État de l'Éducation, nous n'allions pas comprendre ce qui se passe dans le secteur de l'éducation. Puisque les enseignants se plaignent sérieusement et il était question que vous et nous soyons encerclés ici aujourd'hui. Moi, ça ne me dérangerait pas de passer quatre jours avec vous ici et changer le quotidien des enseignants. C'est très sérieux parce que les enseignants pensent que c'est le ministre de l'Éducation qui doit changer leur salaire. Et je voudrais donc informer ces enseignants-là qui nous suivent en ce moment que leur syndicat sera représenté à l'ECOFIN pour qu'ils voient ce qu'on appelle la contrainte budgétaire. Ils ne sont pas les seuls secteurs de la vie nationale
Il y en a beaucoup. Nous l'avions fait à l'époque. Les ministres d'État du budget actuellement, je ne sais pas si... Honorable, vous étiez à l'Ecofine à ce moment-là. Non, vous étiez à l'Ecofine, vous avez été interné au centre Nganda. On a fait venir même la Pukine, les magistrats.